Thank you.
Nous allons monter dans la présence des dieux. Que l'Éternel soit loué. Amen. Amen. La Bible, nous allons partager, nous allons étudier la parole du Seigneur ce matin. Il est bon de nous approcher dans sa présence. Nous allons ouvrir la Bible dans Deutéronome au chapitre 8, à partir du verset 9 au verset 20. Deutéronome. Lecteur de la parole. 18, 8 à juste à combien? Au verset 20. À partir du verset 20. 9 jusqu'au verset 20. La Bible dit, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les terres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à la... Genèse, ceux qui prennent des notes, c'est bien de prendre des notes. Dans Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14. Nous allons... Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Et pour ma présence. Amen. Surtout ma présence. Amen. Ah oui, hein? Ah oui. Surtout ma présence. Amen. Parce que je suis dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Azabia. J'ai ton prochain, il est merveilleux, l'Éternel. La Bible dit ceci, à partir du verset 17 même. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, son peuple, comment Dieu bénit son peuple. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut être béni. Amen. Il y a quelqu'un qui veut la bénédiction de Dieu. Amen. Le Seigneur, c'est un Dieu qui bénit. Amen. C'est un Dieu qui donne à ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur pour mon beau cousin libre. Ce n'est pas bien comme ça. Amen. C'est très calme comme ça. C'est très stylé, n'est-ce pas? Mais on est dans le Seigneur, il faut que nous. Alléluia. Et où ils allaient pour l'anga? Amen. 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 Bon, nous allons en vous parler. Ah oui. Ah, maman fait le vis-à-vis, ça maman, on n'a utilisé en rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Nous voulons parler de la richesse. Le Seigneur me bénit déjà, mais moi je parle de moi. Amen. C'est pourquoi je dis que je suis heureux déjà, parce que moi je suis là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui est comme ça pour moi? Amen. Non, sois béni aussi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Ah, il faut être fier dans le Seigneur. Amen. Moi je sais pas ceux qui ne sont jamais fiers dans le Seigneur. Tu es toujours fier quand tu vas boire un verre de. C'est toi où? Il faut être fier. Alors. Une chose que je veux faire comprendre à quelqu'un, écoutez bien aimé, la journée d'aujourd'hui, si tu t'es réveillé, pourquoi? Parce que Dieu a encore un plan pour toi. Amen. Est-ce que c'est pas bien ça? Amen. Dieu, c'est le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Ne désespère pas. Sois content. Parce que Jésus est là. Amen. Oui. Il nous dit, ben, le verset, tu vas lire à la maison. Je connais bien.
La Bible dit ceci, approchons-nous donc avec l'assurance devant les trônes de la grâce de Dieu. Il dit au peuple ceci, gloire à Jésus. C'était dans Deutéronome que nous venons de lire, c'est ça? Amen. Un frère Claveur. Amen. Okay. Deutéronome. Oui, c'est à partir du 9. Ok. Donc, voilà, c'est ça, c'est très bien, on est attentif. C'est bien de bien suivre. La parole de Dieu, il faut les sortir. Tu mangeras du pain avec abondance ou à satiété. Mais écoute, tu mangeras du pain avec abondance ou à satiété. C'est-à-dire que au retour. Amen. Vous voyez les projets de Dieu? Les projets de Dieu n'est jamais où les choses ne réussiront pas. Jamais Dieu, si il y a quelqu'un qui a qui vient, c'est Dieu qui est en train de prophétiser pour toi. Oh, Dieu me dit, tu n'avanceras pas. Refuser directement cette prophétie. Dis ça, c'est pas Dieu qui t'a dit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, toujours, il étend la main pour relever celui qui tombe. Sauf que Dieu sanctionne ceux qui ne veulent pas se convertir. Bah, dans mon livre. C'est pourquoi la Bible dit les malheurs ne tuent pas les justes. Parce que quand les justes sont dans les malheurs, il y a un Dieu qui vient les chercher dans les malheurs pour les faire sortir. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Amen. Mais les malheurs tuent les méchants. Les méchants, ils peuvent briller. Amen. Amen. C'est-à-dire, un méchant peut chercher des problèmes, des ennuis avec toi. S'il est méchant, même s'il monte dans n'importe quel niveau, il finira par tomber. Toi, sois seulement fort dans ma bolomologie. Prier. Les méchants tomberont. Amen. Alléluia. Amen. Comme il s'est assis à prier, les méchants vont tomber. Amen. Amen. Ils vont tomber. Yes. Parce que Jésus est fort. C'est pour moi, vous savez, quand je prie, quelquefois mes prières, si tu n'es pas concentré dans tes prières, tu peux ouvrir les yeux. Moi, j'ai dit, Seigneur, suivez-les, moi je suis derrière toi, Seigneur, je me cache derrière toi. Vous voyez, quand tu as un grand frère qui est en train de se battre devant toi, quand tu es en train de encourager, c'est simplement frappe après frappe, c'est ça la prière. En plus, ce qui était derrière, il a dit le désert est fini. Maintenant, vous allez rentrer dans un pays. Ce que toi, tu ne vois pas, Dieu est en train de voir déjà ton âme. Amen, amen. Dieu est en train de dire, regarde, là où tu vas aller, tu mangeras à satiété. Parce que de là où tu viens, quand tu mangeais, il y a quelqu'un qui avait un fouet derrière toi. Quand tu rentreras dans les pays, tu mangeras. Et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ces ordonnances, ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Quelle promesse! Lorsque tu habiteras de belles maisons. C'est-à-dire, Dieu, il regarde. Ils ne sont pas encore dans les pays là. Mais Dieu, il est en train de voir les pays. Dieu, il est en train de voir ce qui va arriver. Dieu, il est en train de voir comment ils vont réussir. Amen. Amen. Dieu est en train de voir. C'est-à-dire, ma vie à moi, avant que je sois ce que je suis, Dieu avait déjà vu ce que je dois être. Amen. Mais l'Éternel dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est là où il y a les problèmes de l'homme. Dans cette église, quand on priait, j'écoutais les prières ici. Oh Dieu, si tu me donnes vraiment les papiers, nous n'aurons plus de problèmes de payer les loyers.
Pasteur, prie pour moi. Quand les papiers commencent à venir, si seulement j'ai le travail, je veux faire ceci. Mais après avoir eu les papiers, eu le travail, les mêmes problèmes persistent. Ni le loyer, ni la contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les gens, ils ont oublié l'Éternel. Ici, la Bible dit, fais attention quand il sera béni. N'oublie pas Dieu. Dieu, il connaît les cœurs de l'homme. Mais ce que l'homme oublie, que tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Aujourd'hui, tu viens, le pasteur peut prier. Et tu oublies, tu pars. Mais sache que tu auras encore faim. Pourquoi ici on répète quand tu mangeras à satiété, tu mangeras avec l'abondance. Et ça veut dire qu'on est en train de parler des choses financières. Amen. On est en train de parler de la richesse. Dieu n'est jamais contre la richesse. Mais c'est la mauvaise richesse que Dieu, c'est-à-dire la richesse qui fait quitter quelqu'un dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu est pour quelqu'un que tu réussis. Que tu progresses. Que tu avances. Le seul qui n'est jamais pour, qui est toujours contre, c'est Satan. Amen.